Bénin, aéroport de Cotonou, 32 degrés, l'air est chaud et humide. J'ai quitté la Belgique avec le sentiment, avec le pressentiment de quelque chose à accomplir. 9 heures plus tard, dans ma tête, tout est clair. J'ai trouvé les réponses à mes questions et Nelson Mandela avait raison sur ce point. L'éducation change le monde. Bruxelles, Woluwe-Saint-Pierre, 7 degrés, l'air est froid, le vent est humide. Les élèves que je rencontre ce matin n'ont pas forcément de compétences artistiques, mais ils ont toutes et tous accepté de jouer le jeu. Donc je m'appelle Itzi et j'ai 17 ans. Est-ce que tu as déjà peint ou dessiné? Non. Ok. Je m'appelle Issou Séraphin. Je ne sais pas dessiner, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Je ne connais rien du dessin artistique. Je m'appelle Adam, j'ai 18 ans, j'ai jamais dessiné. Je m'appelle Rudegui Erwin, j'ai 17 ans, bon, j'ai pas de bonne main en dessin. Ok, ok, ne vous inquiétez pas, il faut pas pouvoir dessiner pour pouvoir faire son portrait. À mon tour, Karl Cash, artiste peintre et plasticien. Avec vous, je vais créer un polyptyque. Avec vous, je vais créer 25 portraits que je vais appeler la photo de classe du monde. Une œuvre collective et unique. Concentration. Le seul bruit qui se fait entendre est le frottement des crayons sur le papier. Mon idée est simple. Avec l'accord de mes apprenants, je vais mettre en vente toutes ces œuvres, tous ces souvenirs, tous ces visages à des prix accessibles. On peut voir ton dessin, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux, parce que les autres jours, vous étiez dur avec elle, hein, il me semble. Je pense que t'as bien évolué. Franchement, félicitations. Merci Ghislain. Grâce à ton histoire, j'ai compris beaucoup de choses. Grâce à ton histoire, j'ai fixé un prix de départ pour ces œuvres. 5 000 francs CFA, l'équivalent de 7 euros ici en Belgique.